J'ai participé à la Coupe du Monde du Grand Bornand. En 2019, pour moi, le Grand Bornand, il y a une histoire assez particulière. C'était pour moi la découverte de la Coupe du Monde et d'une étape en France. Ça reste un super souvenir, c'est un superbe moment de sport. La relation avec le public et puis l'atmosphère particulière. J'avais un petit peu cette appréhension du public, de l'ambiance, de la peur de mal faire aussi devant notre public. Et puis finalement, c'était la folie. J'ai le souvenir de la première bosse où je m'étais préparée à ce que ça fasse beaucoup de bruit, mais finalement, pas assez préparée comparé à ce qu'était la réalité. C'est quelque chose de fort, à ne plus s'entendre tellement le public crier. C'est une piste assez exigeante. Finalement, c'est pas l'une des plus dures, comme on peut voir à certains endroits, il n'y a pas des grosses bosses. Mais un moment marquant, c'est l'entrée au pas de tir sur les courses en Mastart, par exemple. Il y avait les spectateurs en m'encourageant, je me souviens du bruit qui monte avec moi. Et au moment de l'installation, à notre tir, il y a un silence qui vient s'installer et qui est assez perturbant parce qu'on passe de 20 000 personnes qui crient à un silence presque inquiétant jusqu'au moment où la première bonne balle, en général, est parti par un Français, et là ça relance l'atmosphère avec les cris publics. J'en garderai, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière des super souvenirs. Hâte de refaire la prochaine édition avec beaucoup de monde, j'espère.